très honoré et heureux de recevoir cette plaque dans d'école ambassadrice. Bah, c'est plutôt une fierté pour un établissement comme le nôtre. C'est une chance exceptionnelle pour nous d'être ambassadeur junior. On représente fièrement notre lycée. Oui, on est fiers parce que c'est pas rien ce qui a pu se passer. C'est quand même quelque chose de marquant dans notre vie. Dans l'Académie de Grenoble, on est les seuls à avoir cette plaque. C'est vraiment un honneur et on en est très fiers. Le lycée Gambetta a été choisi par l'Académie de Grenoble comme un lycée dans chacune des académies de notre grande euro-région sud-est de la France pour être ambassadeur du Parlement européen. Ce label, cette plaque, figure désormais à l'entrée du lycée, traduit un travail engagé par les élèves de découverte de l'Europe, de connaissance de ses règles, de ses institutions, de ses valeurs. C'est une grosse opportunité qu'on a pu avoir d'accueillir un député parce qu'il a pu répondre à nos questions, il a pu découvrir tous nos travaux qu'on a pu effectuer tout au long de l'année, que ce soit en première ou en terminale. Donc on a fait des PowerPoints, des affiches qu'on a exposées juste derrière nous au CDI avec un petit peu le fonctionnement de l'Europe. Et on a plus particulièrement travaillé sur des projets spécifiques comme la santé dans le travail, l'alimentation. On a représenté l'Europe, quoi. On a expliqué ce que c'était l'Europe. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont vraiment tous reconnu que on avait fait du bon travail et que ça peut nous apporter, même dans notre vie, pour tout le monde, dans tous les jours. J'avoue avoir été très surpris, agréablement surpris par la qualité du travail qui m'a été présenté, par l'engagement des élèves de formations diverses. C'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que mes camarades ont aussi appris beaucoup de choses et ça a permis d'approfondir notre connaissance à propos de l'Europe et de tout ce qui en est autour. Ça m'a permis de connaître un peu plus l'Europe, ce qui était, comment se déplacer dans l'Europe, quelle assurance je pouvais en avoir. C'est aussi important qu'un travail un peu de fond leur permette de réfléchir à ce qu'est l'Europe. Pourquoi ? Comment ? C'est pas simplement ce truc qui fait des règles et qui, de temps en temps, accorde des financements. Derrière la construction européenne, il y a des motivations, des choix, des valeurs. C'est important que les jeunes les découvrent. Pour moi, l'Europe, c'est une union de pays avec des valeurs communes, mais un fond différent. On n'a pas tous les mêmes valeurs, mais on peut échanger et se libérer dans l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'était juste des états de pays, mais on se rend compte que ça peut être beaucoup plus et c'est très instructif d'avoir pu rencontrer des députés car ils nous ont appris des choses que pertinemment on n'aurait pas pu savoir. En tant que jeune, ça peut ouvrir des portes, vraiment ça peut nous ouvrir des portes sur l'Europe, aussi sur le monde, pour voyager, pour les études, pour un petit peu tout ça. En tant que, si on veut bouger, il y a des facilités, il y a des choses qui sont mises en place pour nous. Donc voilà, c'est important de savoir et de prendre connaissance, vraiment une grosse prise de connaissance aujourd'hui. Sur nous, si on veut faire des choses, on a les moyens, en tout cas les moyens qui sont mis en place pour nous. Et être un ambassadeur, c'est vraiment pouvoir parler de l'Europe à d'autres élèves qui ne connaissent pas et aussi initier les autres à devenir ambassadeurs de l'Europe. On voit que le travail a été conduit avec sérieux et sans doute aussi avec enthousiasme, mais il faut dire que le lycée accueille des jeunes d'origine très variée pour lesquels l'Europe veut dire des choses différentes et donc nous sommes là dans un cas très concret. Ce lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu est engagé depuis plus de 20 ans dans un travail de connaissance de l'Europe. Donc cette plaque qui est désormais à la porte de l'établissement me paraît être une plaque bien méritée.